Allez, c'est parti pour Devine Grenier. Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, vide grenier en salle, bah encore heureux. Voilà, il y a plus de 100 exposants. Je suis à Ajax, en France, dans le 1-01. Donc voilà, donc c'est en train de s'installer gentiment. Et puis, on verra bien. Allez, à toutes. Bonjour. Je peux regarder les jeux vidéo? D'accord. C'est gentil, merci. Vous les faites combien? C'est 10 euros le jeu, mais si vous en prenez plusieurs, je peux faire. D'accord, ok. 10 euros, ok. Bonjour. Bonjour. Vous faites combien les jeux? Les jeux là, 5 euros. D'accord. Ah bah, c'est gentil, merci. Je vous en prie, regardez. Vous les faites combien, juste? Ça dépend, si c'est PS4 ou PS5. Moins. L'horizon... Si, je connais les prix. Celui-là. Celui-là, Horizon, 20 euros. D'accord, ok. Il est encore... Là, Doka, celui-là, j'ai vu sur Internet, il est encore à 30. Oui, c'est vrai. Après, on peut laisser à 15. Oui, 15. À la rigueur, 15. Ok, bah, je vous le prends alors à 15. Ouais, ok. Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui c'est dimanche, donc dimanche est égal à vide grenier. Voilà, en Suisse à Nyon, petit café obligatoire avant de commencer. Petit coucou à Thierry et à Christophe pour le café. Voilà, bon, on verra bien.
Vous faites combien les jeux? 200. D'accord. Bon, ça je le prends. Là, il y a des autres aussi, des marques aussi. Je prends. Est-ce que je l'ai celui-là? J'espère que ce petit live vous a plu de ces deux vide-greniers que j'ai fait. Le premier, c'était à Ajax en France. Franchement, c'était super cool. Il y avait beaucoup d'exposants, mais il y avait des jeux vidéo, mais il n'y avait pas de grosses pépites. Mais j'ai quand même trouvé mon petit bonheur. Je commence tout de suite par déjà le Street Fighter V. Sur PlayStation 4, super content, c'est pour ma collection Street Fighter, voilà, bien sûr, en full français, autrement je l'aurais pas pris.
Pour 5 euros, donc c'est nickel, franchement, rien à dire. Bon, Street Fighter, pas besoin de faire une explication, tout le monde sait qu'est-ce que c'est, voilà. C'est... Puis le dernier épisode est sorti il n'y a pas très longtemps, voilà. 5 euros. J'ai aussi pris le dernier Horizon. À 15 euros, il était à 20, et puis j'ai rien dit, et puis ça a baissé à 15 euros, voilà. Donc je l'ai pris en full français, c'est le deuxième épisode. Alors bon, je n'ai toujours pas la PlayStation 5, mais bon, ça sera pour un jour, voilà. Mais super content de l'avoir rentré, surtout en full français, nickel. Ouais, où je suis super content, c'est d'avoir la saison complète. Enfin, j'espère que c'est la saison complète. Parce que j'ai même pas... Oui, je pense que c'est la saison. Toutes les saisons, je pense. Parce que... Est-ce que c'est marqué quelque part? Oui, alors, c'est... l'anime Cat Size. J'ai adoré cet anime, pas autant que City Hunter, Nicky Larson, je préfère Nicky Larson, mais Cat Eye, j'ai adoré aussi, j'ai énormément... Alors, 25 épisodes, 24 épisodes, alors le premier coffret, 25 épisodes, le deuxième, 24 épisodes... Et le troisième coffret, 24 épisodes. Donc, tout en version française, tac, tac. Ah oui, bon, je pense qu'il y a toutes les saisons. Faut que je regarde s'il y a vraiment, s'il y a trois saisons ou il y a plus. Je ne me rappelle plus trop de Cat Eye. Mais ouais, super, Cat Eye, c'est trois, si je me rappelle bien, c'est trois frangines. Qui doivent retrouver leur père, voilà, et puis qui sont aussi des cambrioleuses, si je me rappelle bien. Alors, c'est Cilia, Tam et Alex. Voilà, ça c'est la traduction française. Sans des sœurs Cat Size, elles tentent dans le plus grand secret de retrouver la collection d'œuvres de leur père qu'elles recherchent. Mais l'inspecteur Quentin, oui, Quentin Charpuis, a juré de les rattraper. Ouais, voilà. Excellent, franchement, très drôle, très bien. Que des bons souvenirs de Cat Eye. Je crois que la France, le cinéma français vont faire une série, une adaptation live de cette série-là. Avec des acteurs françaises, mais je ne rappelle plus lesquels. Franchement, je ne rappelle plus du tout lesquels. Je mettrai peut-être une photo. Je crois qu'il y a quelques photos qui sont fuitées. Mais je mettrai. Mais bon, je ne suis pas très serein non plus. Je ne suis pas très impatient non plus de voir cette adaptation. Mais là, super coffret. Ça fait les trois coffrets 4 sides en DVD. Voilà, super. Pour Genève, c'est terminé. Alors, j'ai le reflet qui arrive sur moi. Je n'arrive pas très bien voir. Voilà. Tac, tac. Après, c'était à Lyon. Comme chaque fin de mois, j'avais fait un short pour ce jeu, pour ce jeu-là. Clonoa, super content de l'avoir trouvé.
pour 2 euros, c'est juste magnifique. Alors, il est emballé, je ne sais pas l'histoire officielle, mais voilà, il est un peu emballé, mais à moitié. Ouais. Ouais, voilà, il est à moitié déchiré, bon, de toute façon, ouais. Donc, à l'époque, Manor, c'est toujours une enseigne suisse de chez nous. 70 euros de bas, au début, après ils l'ont baissé à 50 euros. Et puis là, je l'ai trouvé pour 2 euros, donc c'est nickel. Alors, il n'est pas en full français, il est en multilingue. Bon, c'est pas grave. Depuis le temps que je le cherchais, voilà. Clonoa. Alors, j'ai la version PlayStation 2. J'ai l'épisode de PlayStation 2, plutôt. Il me reste l'épisode sur PlayStation 1, mais vu la cote, voilà. Voilà, je suis pas prêt de l'avoir. Voilà. Clonoa. Tu incarnes ce joli petit chat ou lapin, je ne me rappelle plus qu'est-ce que c'est. jeu d'aventure, action, plateforme, voilà. Super content. Et j'ai aussi pris, j'ai pas mis dans le short, mais j'ai aussi pris le jeu Dora. Alors si je l'ai pris, c'est qu'il est toujours sous blister officiel. Donc si ça intéresse quelqu'un, bon, ça m'étonnerait, mais pour 2 euros. J'ai aussi pris le Nemo sur GameCube. Voilà. Pour 2 euros. Et le tout dernier jeu, c'était, il y avait un sac plein de jeux PlayStation 3. Je m'attendais à une pépite. Les jeux étaient 10 euros. Je me dis, s'il y a une pépite, 10 euros, il n'y a pas de souci. Bon, il n'y avait pas de pépite. Mais j'ai quand même pris Mega Drive Ultimate Collection. Plus de 40 jeux Mega Drive, voilà. Alors j'ai déjà, si quelqu'un le veut, pour un échange, il y a tous les hits de Sega qui sont réunis dedans, voilà. Plus de 40 jeux, voilà. Les Sonic, Echo le Dauphin, Shining Force, Golden Axe, Street of Rage, et Phantasy Star 2, 3, 4, Shinobi 3. Ouais, beaucoup, beaucoup de jeux. Il est complet. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, prenez soin de vous et je vous fais plein de bisous. Bye bye.